Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la réunion des partenaires du Burkina Faso, organisée dans le cadre de l'édition 2021 du Forum de la Révolution verte en Afrique, AGRF. Le Burkina Faso est très honoré de pouvoir présenter aux participants à cette session trois projets. Il s'agit de l'initiative présidentielle « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Cette présentation sera faite par la secrétaire permanente de l'initiative, Dr Alice Sidibé Anango. La deuxième présentation va porter sur l'initiative présidentielle « Produire 1 million de tonnes de riz ». Dr Robert Ouédraogo va assurer cette présentation. La troisième présentation est relative au projet de valorisation des phosphates naturels du Burkina. Le directeur général de la Société d'exploitation des phosphates du Burkina, Dr Alexandre Tombiano, va faire cette présentation. À l'issue de ces différentes présentations, nous aurons bien entendu donc la phase des échanges. Sur ce, je passe la parole à Madame la secrétaire permanente de l'initiative présidentielle « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour » la parole pour la présentation de cette initiative. Bonjour à tout le monde. Et je suis très honorée de prendre part à ce forum. En tant que greetings, everyone. Please give us a few seconds while we fix the connectivity. The team is now back on. If you'd like to unmute and then you can continue the presentation. Madame, we see you are speaking, but you're still on mute. Could you unmute? And then we can hear you. Okay. Je dis que l'initiative est une initiative à l'échelle nationale et les secteurs d'activité sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement, l'eau, l'alimentation, la nutrition, l'éducation et la santé. C'est une initiative qui sera conduite en 5 ans et l'ancrage institutionnel, c'est la primature, le premier ministère. OK. Comme objectif, l'initiative, au fait, c'est l'amélioration de la disponibilité des denrées alimentaires pour un approvisionnement optimal des cantines scolaires, l'amélioration de la valeur nutritionnelle des menus des cantines scolaires, l'amélioration des revenus des ménages en état de précarité alimentaire et l'amélioration de la gouvernance des cantines scolaires. Au fait, ces objectifs sont traduits en composantes. Donc, l'initiative sera basée sur 4 composantes. Les bénéficiaires, nous avons les bénéficiaires directs qui sont, bon, de façon générale, parce que c'est une initiative pour tout enfant en âge scolaire. Ce n'est pas seulement les élèves, mais tout enfant en âge scolaire. Au Burkina Faso, ils sont environ 9 millions qui sont censés être à l'école, mais aujourd'hui, dans nos écoles, nous n'avons que 6 millions d'enfants scolarisés. Les bénéficiaires
et indirects seront bien sûr les ménages ruraux, donc les parents, ça serait les transformateurs et transformatrices artisanaux, ça serait les mini et semi-industriels ou industriels des produits agroalimentaires. Particulièrement, nous allons mettre l'accent sur les femmes et les enfants. Pour le coût est basé sur les quatre composantes, comme je le disais. La première composante en matière de production de denrées et aussi d'approvisionnement est la composante la plus budgétisée. Elle sera autour de 419 milliards de francs CFA. Et la deuxième composante, ce serait l'amélioration de la valeur nutritionnelle des menus au niveau des enfants, c'est 20 milliards. Et la troisième composante, c'est 13 milliards. Et la composante gouvernance, c'est 28 milliards. Le suivi, la coordination et puis la gestion de l'initiative sont budgétisés à 7 milliards. Le coût total de l'initiative est d'environ 489 milliards de francs CFA, ce qui correspond à, je regarde un peu, je veux le dire, en US dollars, c'est, bon, enfin, c'est 160, non, c'est 34 390 000 dollars US dollars. Et dans ce financement, l'État burkinabé assure 52 % des financements et les PTF 47 % du financement et les bénéficiaires 1 % du financement. En acquis, nous pouvons dire que l'État déjà à travers la loi des finances chaque année consent 19 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires. Sur 5 ans, nous serons à environ 100 milliards. Donc, en acquis, en 5 ans, l'État consentit déjà 100 milliards, va consentir environ 100 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires. Le calendrier de mise en œuvre se décline en 2 phases. La phase pilote, en année 1, ce serait optimiser les composantes de l'initiative présidentielle dans le contexte particulier de menaces des systèmes alimentaires et nutritionnels dues à la COVID-19 et identifier les mécanismes d'atténuation. Le second aspect pour la mise en œuvre du calendrier serait mobiliser et rationaliser les ressources, les connaissances, l'engagement des acteurs et des réseaux d'acteurs. Le troisième au niveau du calendrier serait intensifier les productions ciblées parce que nous allons travailler sur la chaîne des valeurs de certains produits, de certaines filières. Et les filières sont décrites, comme vous le voyez, depuis les céréales jusqu'aux tubercules et les légumineuses. En phase 2, ce serait une mise à l'échelle de l'initiative. Et en stratégie de mise en œuvre, la stratégie d'intervention de l'initiative sera basée sur le principe de responsabilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités. Ce serait basé aussi, bon, donc à savoir les collectivités territoriales, les communautés de base, les organisations professionnelles. Le processus se fera à travers une approche axée sur les résultats et le développement sera appliqué en vue d'améliorer l'efficacité et respecter l'obligation de rendre compte. Quelques impacts très importants, que aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Sur le plan économique, l'initiative justement va permettre d'améliorer, de créer des emplois. Tout est décrit sur la fiche. Et aussi rehausser le revenu des ménages de 35%, ce qui est très important, puisque ces ménages-là se seraient améliorés. Sur le plan social, et le plus important, c'est l'approvisionnement, c'est pouvoir nourrir 9 millions d'enfants au Burkina Faso d'ici 5 ans. Donc, l'initiative, comme nous avons déjà des acquis et des expériences en milieu scolaire, nous allons commencer par les 6 millions d'élèves, justement, au niveau du Burkina Faso.
ça va permettre aussi de rehausser la production, surtout en produits maraîchers, de 100% et rehausser l'accès des enfants à l'éducation. Pour le dispositif de suivi et évaluation, nous avons plusieurs niveaux, trois niveaux de suivi et évaluation. Nous avons le niveau stratégique, ce serait piloté par le conseil d'orientation présidé par le premier ministre lui-même, autour duquel sont les ministres sectoriels. Nous avons le niveau interne qui sera assuré par le secrétariat permanent et le niveau externe qui sera actif. Bon, nous avons cohérence avec certains inscrits en droite ligne avec les ODD. On n'a pas voulu citer ici lesquels, mais de façon générale, c'est presque 7 ODD. Nous avons le cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est un référentiel mondial connu. Nous avons le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, la stratégie régionale africaine de nutrition, ça c'est au niveau de la région Afrique. Nous avons la politique agricole de la CEDEAO, la politique agricole de l'UEMOA et le sommet de l'Union africaine de Maputo. Sur le plan national également, nous avons aligné, nous avons mis en cohérence l'initiative avec certains référentiels. Le plus important, c'est le RND qui vient d'être adopté sous PNDS 2. Et les autres maintenant, textes sectoriels, nous les avons alignés sur les préoccupations, les priorités de cette sectorielle. Les risques, bien sûr que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous savons qu'il se pourrait que nous soyons confrontés à des risques. Et nous avons dégagé quelques risques, à savoir le risque de perte de produits alimentaires stockés sur 9 mois, on n'en sait jamais, en l'absence de système de conservation de produits. Nous avons les problèmes sécuritaires dans certaines régions du Burkina Faso que vous connaissez. Nous avons les problèmes liés au changement climatique et une exploitation inadéquate des ressources en eau pouvant affecter la production des denrées alimentaires. Nous avons, ça peut arriver, des lourdeurs administratives dans les procédures, surtout parfois les procédures de certains partenaires techniques et financiers. Et enfin, nous serons peut-être à être confrontés à la non-existence d'organisations paysannes remplissant les critères pour la contractualisation ou bien la signature de conventions avec les mairies. Enfin, j'ai le plaisir de vous dire déjà depuis mon installation ce qui a été fait au niveau de l'initiative. Et il y a eu certes ma nomination, il y a eu le lancement solennel officiel par le chef de l'État dans une école pilote un peu hors de Ouaga. Nous avons commencé la formation des cantinières dans les écoles pilotes. Nous avons tenu des cas de concertation avec les PTF. Donc, ces cas de concertation, c'est aussi bien l'organe de pilotage. Nous avons mis en œuvre justement des actions de plaidoyer et rencontré certains partenaires techniques et financiers, dont Agra, bien sûr, qui est un partenaire très privilégié, qui nous accompagne sur le plan institutionnel et renforcement de capacités. Nous avons justement, dans le cadre de l'organisation du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, l'initiative a déjà initié 4 fiches projets qui seront présentées par le Burkina Faso au cours de ce sommet. En perspective, pour cette année, les premiers repas, ce qui est sûr, la rentrée commence ici le 15 et nous pouvons vous assurer que les premiers repas seront servis au Burkina Faso dès le 15 septembre pour une première fois. Parce qu'en général, les premiers repas au Burkina Faso sont servis pour à peine 3 mois et pour compter de janvier. Mais cette fois-ci, les dispositions dans certaines écoles pilotes sont prises pour que les premiers repas, les enfants bénéficient des premiers repas dès le premier jour de la rentrée. Bon, le plaidoyer, c'est le plus important. Il faut dire que malgré les efforts du pays, il y a toujours
toujours une main que nous tendons à nos partenaires techniques et financiers. Et le gap aujourd'hui à rechercher est de 416 millions de dollars environ pour 5 ans, afin que nous améliorions les conditions de vie de nos enfants et nous donnions la chance à tous d'aller à l'école en vue de construire un capital humain durable. Nous avons la main tendue, ne laissons personne de côté. Je vous remercie. Good job. J'espère que tout est passé. So we'll be sharing the second presentation. So let's. Okay, Robert. Oh, merci à Dr. Sidibé Anango pour la présentation de la première initiative présidentielle qui porte sur l'alimentation des scolaires. Nous avons Please share your camera so we can all see you, monsieur. Nous allons maintenant suivre la présentation de l'amélioration de la production risicole. Vous m'entendez? Non, c'était coupé. Maintenant, yes, oui, ça va. OK. Oui. Merci bien. Voilà, je disais tantôt que l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz au Burkina Faso est une belle opportunité d'investissement. Et je disais qu'en rappel, le riz est une céréale cultivée au Burkina Faso et elle est de plus en plus consommée. Malheureusement, la production actuelle ne couvre pas les besoins du Burkina Faso. On assiste à un gap. On assiste à un gap d'environ 500 000 tonnes. Et cela représente pour le pays des importations énormes d'environ 500 000 tonnes. Donc, cela fait que donc, je disais que les importations sont importantes et cela coûte en devise, en sortie de devise importante. Ce qui fait qu'il est bien urgent de réduire ces importations-là en augmentant la production et surtout dans un contexte de COVID-19. Bon, il faut dire que le riz peut être produit au Burkina Faso,
parce que il y a toutes les conditions, il y a l'eau, il y a les terres, et on peut produire le riz. Et c'est pour cela que le président du FASO a d'entreprendre cette initiative-là pour permettre effectivement de greetings, everyone. The Burkina Ministry team is experiencing a little internet connectivity challenges. They are trying to join back in and continue the presentation. Please bear with us a few more minutes or seconds.
Hey, Catherine. Hello? Hello. Bonjour, hi team. We can hear you now. Okay, please, can you allow us to share the screen? Sure. We're allowing you now to share your screen. Awesome. And we can see you. Which one? This one? This one? Yeah, this one. Okay. Yes, sir. Yep. We can all see your screen whenever you're ready to start. Okay. Thank you. Donc, je disais que pour mettre en œuvre cette initiative présidentielle, il a été créé par le gouvernement un vaste programme qui comporte quatre composantes qui sont premièrement l'aménagement de 50 000 hectares de riz, la production, une production intensive de riz, et la transformation industrielle du paddy et également un cadre institutionnel et de gouvernance marqué par un PPP. Ce vaste programme cible trois régions. La première région qui est la vallée du Sourou, et c'est un site qui dispose de 600 millions de mètres cubes d'eau avec 30 000 hectares. La vallée du Samandini, qui a un barrage qui a plus de 1 milliard de mètres cubes d'eau avec des terres à hauteur de 21 000 hectares, et Agropole, Bagrépole, qui a une capacité d'eau de plus d'un milliard 700 millions de mètres cubes avec des possibilités de terres de plus de 30 000 hectares. Bon, ces trois sites représentent également les agropôles du Burkina Faso. Et ce projet-là est divisé en trois phases. Une phase pilote qui va aller jusqu'en 2022, une phase intermédiaire de 2023-2027 et une phase 3 qui va être une phase d'extension de ce programme-là. Et le coût estimé de ce programme est de 1862 millions de dollars US pour les trois sites qui sont Samandini, Sougou et Bagrépole. Pour cela, le gouvernement a développé un modèle qu'on appelle modèle d'exploitation rizicole portée par le secteur privé. En fait, c'est un modèle PPP qui est proposé. C'est un modèle qui est supposé être un modèle gagnant-gagnant, transparent, et qui va mettre tous les partenaires, toutes les parties prenantes, chacun dans son intérêt. Bon, ce modèle-là est basé sur le principe de l'agrégation, c'est-à-dire on a un agrégateur qui a autour de lui des agrégés et cet agrégateur-là a une forte capacité de management, a une forte capacité financière et technique et il va avoir autour de lui des agrégés que nous appelons des exploitations familiales. Donc, les acteurs clés de ce PPP-là, c'est bien sûr l'État, il y a le secteur privé et également les producteurs, les petits exploitants. Et dans ce partenariat-là, le rôle de chaque acteur est bien défini et l'État en lui-même va assurer la mise en œuvre avec la mise en œuvre du modèle avec des mesures accompagnatrices. Également, l'État va aider à mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet. Également, il va assurer la sécurité des investissements et l'État
va supporter tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet-là. Et bien sûr, il va s'assurer de mettre en place un mécanisme qui va favoriser, qui va en tout cas promouvoir le genre en prenant en compte les aspects liés à l'environnement. Bon, le secteur privé, lui, il va apporter les financements nécessaires pour viabiliser toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que ce soit les aménagements et la production, mais également la transformation et la commercialisation du riz. Le privé va assurer la maintenance des infrastructures agricoles qui vont être mises à sa disposition. Il va assurer également d'apporter toute la technologie et les innovations nécessaires pour une meilleure rentabilité, pour une meilleure productivité. Et ce privé-là va fournir au moins 35% de la terre aux exploitations, aux petites exploitations, pour leur permettre d'augmenter, de produire et d'augmenter leur productivité. Maintenant, au niveau des producteurs, les producteurs vont négocier, ils vont signer des contrats de partenariat avec le secteur privé. Il va s'assurer que toutes les bonnes pratiques agricoles vont être respectées et ils vont céder leur production au privé, hein, moyennant des contrats d'achat qui vont être négociés dès le départ avec eux. Et pour cela, le gouvernement a dû vraiment faire des efforts. Et ici, c'est un atelier qui a été organisé par le gouvernement autour de ce modèle de riz, ce modèle d'exploitation rizicole qui est porté par le secteur privé. Et à nos jours, il y a de nombreuses compagnies, de nombreuses sociétés qui se sont intéressées au modèle-là et qui ont exprimé des besoins auprès du gouvernement pour avoir des terres, exploiter, transformer le riz et le commercialiser. Et à ce jour, on a environ une expression de près de 30 600 hectares, une expression qui a été faite par le privé national, mais également le privé international. Ce programme est vraiment très intéressant. Ce programme est financièrement et économiquement viable et également des mesures vont être mises en œuvre pour renforcer les capacités des différents acteurs pour assurer sa durabilité. En conclusion, il faut dire que l'initiative présidentielle 1 million de tonnes de riz est une bonne opportunité d'investissement au Burkina Faso pour tous, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que ce soit le privé national ou international. Il y a toutes les conditions sont réunies. Il y a l'eau, il y a les terres, et nous pensons que venir investir au Burkina Faso serait une très bonne chose parce que toutes les conditions sont réunies pour un partenariat gagnant-gagnant. Voilà la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Thank you for your presentation. Merci à Dr. Robert Ouédraogo pour la présentation de l'initiative présidentielle sur l'intensification de la production rizicole. Nous allons maintenant suivre la présentation des projets de valorisation des phosphates naturels du Burkina. La présentation est portée par le directeur général de la Société d'exploitation des phosphates du Burkina, Dr. Alexandre Tombiano.
Docteur, vous avez la parole. Okay, merci. Thank you. I would like to do the presentation in English, and I'm going to share my slides because I'm not in the same room as with the other team. So, can you see my screen? Yes, we can see it. Okay, thank you very much. So the project is a state-owned company, and we are working in mineral fertilizer production, but also organic. And we are going to present the investment opportunities for valorizing the phosphate rock in agriculture. So as you may know, in Burkina, like in any other West African country, we are facing climate hazards, soil poverty, persistent drought, and also low use of mineral fertilizers. But there is also a weak organization of the stakeholders in terms of supplying mineral fertilizers to the farmers. But at the same time, we have an important reserve of phosphates in the eastern part of the country. And these reserves are estimated to be around 200,000 tons and giving them, therefore, an important asset for contributing to restoring the soils in the country. So from 2008, the government and its partners have been trying to support these rural stakeholders in terms of managing the soil fertility and facilitating the access to mineral fertilizers. And when we look at the demand in terms of mineral fertilizers, the demand is very high. It's estimated to be around 265,743 tons per year. But most of this demand is imported mainly from Mali and also other countries like Morocco, Ivory Coast, and Russia. So currently, the domestic production in terms of fertilizers is only done by a private company that we call CIPAM, and also the Chemical and Fertilizer Africa, Fertilizer Industry of Africa, who also produce fertilizers. But this production is still does not cover this production does not cover the country needs in terms of fertilizers. So based on that, the government is well aware of the importance of providing fertilizer to farmers and also the role that fertilizer use will have in terms of intensification of the production, agricultural production. But there is also, we are also facing difficulties in terms of funds, but also physical access to these fertilizers. Therefore, the government took the initiative of building a plan that will provide mineral fertilizers. And this plan has three components. We have the first one that is based in the eastern part of the country, mainly in Kojari, where we have the reserve of phosphates. But for now, we are just crushing, and then we provide farmers with a kind of organic fertilizers that is rich in phosphates. There is also in mind of building a fertilizer blending plant in Kupela. This is well advanced, and we expect maybe by December, this plant will be working. And for distributing, we are planning to build a fertilizer sales center in Fada, which is in the eastern region of the country. So this is a scheme of our plan, our project. Then we have the first image that is the site where we extract the phosphates, the mining sites. And then we have Kochari, which is what we are planning to build in terms of complex for processing the phosphates into products that are simple superphosphate and triple superphosphate, but also other components. And these units, we estimate the cost to around 33.4 million USD. And then we also have the crushing units
in Japaga, which is around 50 kilometers away from Kochari. And there we will only do the crushing. And this unit is now working, but for Kochari is not yet working. We are planning to build it, but Japaga is already working. And then we will have also Kupela, which is the blending unit. And this blending unit costs around $5 million. And I forgot to tell you that in Japaga, we need to invest to renew the infrastructures there. And the cost is estimated to be $6.7 million. And all these products will be distributed by a distribution center that is based in Fadanguma, still in the eastern part of the country. And this sales center is estimated to cost around $3.4 million. And all this will be run by our project that is called CFPD, the Phosphate Mining and Fertilizer Production Company. So in terms of business plan, we have very interesting plans, because we, besides providing fertilizers, the company also can provide services in terms of sample analysis and also in terms of research development to help farmers get more insights into their fertility issues. And in terms of market strategy, we are trying to provide soil and crop specific fertilizers, because for now we only use the generic fertilizers, mainly used for cotton, and that is the fertilizer that is used actually in the country for all crops and for the all region. But the region don't have the same soils, so not also the same needs in terms of fertility respiration management. So we like to provide to crop-specific and region-specific fertilizer for our country. And also we have to adapt the packaging of this fertilizer by sizing it, like resizing from 10 to 25 kg. And also being able to provide farmers with low-cost, low-price fertilizer that will allow them to really access the fertilizer and then to be able to replenish their soil fertility. And as for now, the total budget is estimated to be $48.4 million, with around $8.5 million that would be invested in the first stage, that is building the infrastructures and acquiring the equipment. And the contribution of the government is estimated to be $4.2 million. So if if you are able to realize this project, it will be very interesting, because if we see the demand in the country, the demand is growing due to soil fertility decline in the country, and it's estimated that around 15, there is an increase of 15%. Annually in terms of fertilizer demand. And also in terms of financial analysis, the cost effectiveness analysis shows that the project is profitable after around 10 years. Because as we plan, we are going to size the project and then to increase it here after here. So for the first 2 years or 3 years, we are not going to run it at the full capacity. We are going to invest slowly and take the time to really conquer the market, and take the time also to really get the partnership that is needed for the distribution, but also for acquiring the other inputs, like for the blending of the fertilizer. Even if we are able to produce the phosphates from the eastern part of the country, we still need to import the nitrogen, but also the potassium from other countries. Then we need to take time and then to find good partners that will help us get these inputs and to do then the blending. So in terms of what the government can do to incite investors to come to Burkina, we can help investors in terms of acquiring support
for getting the site, like getting land for building, for investing, and then also acquiring the raw material that is needed to produce the fertilizer. Also trying to talk to local leaders that will really local people to create an enabling environment to facilitate the installation and then also the functioning of the plant. And there is also a great benefit to grow from this this investment has that in terms of facilitating the access to electricity. We have electricity company in Burkina. We also have we know that any industry will need water. Then we can have specific preferential rates that will help, and then that will accompany this investing in water and then electricity. Also can take measures in fertilizer. So all these. Hello. Are you getting me? We can still hear you, Dr. Chambiano. Okay. Good, great. So all these conditions, all these measures can be taken by the government to really help those who want to invest in Burkina by creating an enabling environment that will facilitate their installation. But there is, this coming to Burkina has also some risk. We are aware of it. But we also think that there are some solutions to help address these risks. One of these risks are the fluctuation of commodity prices. But then we will need to face this. We will need to develop a very strong partnership with foreign enterprises that will help us then get the raw material that is needed that are needed for our plants. But there is also a risk that for the first years there will be a risk of it will be in to acquire the raw materials at prices that are really interesting for the companies. But then also the possible negative impact on the environment, that is unavoidable, but measures should be taken to really monitor the implementation and then the social impact also of the industries in the country. There may also be in terms of relations with the population, local population, there may also be some protests, but this is normal for any country. This can be avoided if really from the beginning measures are taken to really create an environment where population will participate in the decision making and then make them understand the importance of the project. Also at the same level, we also have like the need for local people to be recruited by the company that will be installed in these areas of the country. And there also you have to really implicate local workers if they really have the profile that is needed. So you have to recruit the local workers also to tell to local people that the local population that we the project is also aware that there is a need to recruit local workers. And has any other African country, sometimes we have administrative bottlenecks due to the process that is also that is sometimes very, very long, but the government is well aware of it and measures will be taken to really ease procedures and facilitate all the procedures. And also one of the risks also can be the capacity of really supplying the
the market with the inputs and the agricultural materials. But then also in terms of distribution, recently the government got the idea of putting in place a company that is really, that will be in charge of the distribution that we call Kaima. This one will centralize all the outputs and then try to make a distribution network, and this will facilitate and alleviate the difficulties regarding the distribution issues. So we also have that the one of the assets, one of also the advantages that given the presidential initiative, our government is very willing to really help and also to innovate. And then they are very committed to help all the companies that will come and invest in Burkina, and then to create the conditions that are needed to take these companies and to help them start their business. And also the potential impact is that this project also can help the country and face the demand in terms of supply, and then also achieve the food security and self-sufficiency in terms of rice and fertilizer, and also in terms of demand. I think this, I'm not supposed to present this. Sorry, Robert. Robert. Hello. Hello, Dr. Tembiano. I think Robert is joining. Yo, I'm wondering if I'm the one who is supposed to present this part, because the concluding part presented by, I don't know, maybe Robert or someone else. Mr. PM. Oui. Voilà. Cette partie, je pense que c'est Robert qui présente, ou bien c'est la SP qui présente. Ça parle de l'initiative présidentielle. Non, c'est déjà, les présentations ont déjà été faites. Nous sommes okay. À la phase des échanges. Donc, je remercie l'ensemble des présentateurs. Je remercie l'ensemble des participants pour l'attention soutenue. Nous allons passer donc aux échanges. Et en commentaire, on a reçu une sollicitation, une demande donc de partage des différentes présentations en version anglaise. Donc, je pense qu'on s'engage avec l'équipe d'Agra donc à envoyer ces présentations-là, ces PowerPoint-là, en anglais. Il y a une question qui relative donc au fait que les différents projets qui ont été présentés sont portés par le gouvernement et non par le secteur privé. Je pense que sur tous ces projets, le secteur privé est impliqué. Je vais donner la parole aux trois présentateurs pour apporter des éléments de réponse sur l'implication du secteur privé dans la conduite de ces différentes initiatives. OK, je voudrais dire merci pour tous les ceux qui nous écoutent depuis dans le monde entier, surtout au niveau de Nairobi. Et pour ma part, j'avoue que c'est avec satisfaction que je reçois les questions qui me sont posées. Et comme il l'a dit, je pense que la version anglaise vous parviendra d'ici peu par Agra, notre partenaire de prêt. Et pour les questions, je pense qu'en matière d'opportunité, déjà, l'initiative 1 million de tonnes de riz est une grande opportunité dans laquelle les investisseurs peuvent produire, de même que l'initiative sur les phosphates. Sur les phosphates, justement, pour améliorer la qualité de nos sols, que vous savez déjà, c'est un pays sahélien et vous connaissez tout ce que nous avons comme défi à relever du point de vue amélioration de sol pour avoir des productions
une productivité élevée. Pour le riz, investir parce que le Burkina Faso, au Burkina Faso, nous consommons beaucoup de riz. Et mon initiative, justement, est une initiative preneuse des produits qui vont sortir de cette production. Et donc, investir dans cette initiative. Déjà trouvé une solution puisque de toutes les façons il est accessible. Bon, du comité d'investissement, le Burkina Faso pour le moment est un pays où l'industrialisation est assez faible. Nous pouvons déjà envisager l'investissement dans tout ce qui est micro et entreprise et puis un certain nombre de choses. Nous avons très peu, le secteur de transformation est très peu développé. Nous pouvons alors que pour cette initiative, justement, il va falloir transformer des produits locaux. Les produits locaux produits au Burkina Faso, ce sont des potentiels, justement, d'opportunités que nous pouvons envisager. Nous avons la gestion, justement, de tout ce qui est digitalisation. Nous voulons digitaliser le système de gestion des cantines pour pouvoir avoir, justement, une transparence, une gouvernance assez bonne. Et en matière aussi de transfert de cash, transfert de technologie, et c'est autant d'opportunités qui se créent au niveau de cette initiative. Et en matière justement d'emballage, nous avons très peu d'industries qui nous accompagnent pour les emballages, alors que ce sont des élèves, il va falloir procéder à un véritable développement de tout ce qui est emballage dans notre pays, et tout comme aussi du point de vue transformation. Les opportunités de partenariat pour même la recherche, parce que c'est de la recherche que beaucoup de choses, notre système de production va pouvoir évoluer. Donc, il y a des opportunités pour des partenariats entre instituts, entre centres de recherche pour évoluer dans certaines approches de recherche. Donc, entre autres, je pense que c'est une initiative qui va mobiliser un partenariat très fort et des opportunités existent. Et bon, c'est tout ce que je pouvais vous dire en matière d'initiative. Assurer à chaque enfant au moins un repas équilibré par jour. Nous avons besoin de beaucoup de partenariats pour nous accompagner dans certains aspects de mise en œuvre de l'initiative. Merci beaucoup. Pour faire suite à l'intervention de Mme Sidibé relative aux opportunités d'investissement, et il faut dire que l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz est basée essentiellement sur le privé. Et toute cette initiative-là, c'est que le gouvernement va créer les conditions favorables pour l'investissement privé. Et c'est en cela que le modèle d'exploitation rizicole porté par le privé a été élaboré et soutenu par le gouvernement. Actuellement, on invite les investisseurs à venir prendre la terre, l'aménager, produire, transformer et distribuer. C'est ça. Donc, en fait, cette initiative-là vraiment donne la part belle au privé parce que c'est le privé qui est invité à investir et à faire du business autour de cela. Donc, parce que d'habitude, c'est l'État qui aménage et qui met à la disposition des utilisateurs la terre, mais dans ce cas précis du modèle qui est en train d'être développé, on demande aux privé de venir investir et d'exploiter et dans un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. C'est un peu cela. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité d'investissement et nous invitons tous les investisseurs potentiels à se rendre au Burkina parce que
et des conditions vont être mises en œuvre pour que leur affaire prospère. Je vous remercie. Docteur Tombiano, si vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez rassurer? Allô? Ah, il n'est pas en ligne. Donc, avant de poursuivre... Non, OK. Je pense que... Madame et puis Dragon ont déjà répondu aux questions. C'est juste pour être insisté sur l'inquiétude qu'ils ont soulevée en disant que ce sont pas ce qui est présenté ne sont pas des projets privés. Ce sont des projets qui, comme on l'a déjà dit, permettent l'éclosion du privé. Parce que dans nos pays, s'il n'y a pas un accompagnement donc de l'État, il est difficile... Chez nous que ça en train de perdre la connexion. Les privés donc pour ces cas-là. Ouais. Allô? Allô, ça va mieux? Oui, ça va. Oui. Non, je disais qu'en fait, voilà, mes prédécesseurs ont déjà répondu aisément à la question et je voulais insister simplement pour dire que c'est du privé, même si l'État, on a l'impression que c'est l'État, l'État intervient en tant que facilitateur essentiellement. Donc, sans cette facilitation, il est difficile pour le privé de pouvoir s'en sortir et de pouvoir donc s'installer. Et pour la CPB, nous sommes une société donc d'État et c'est ce qui fonctionne comme du privé. C'est bien noté. Merci, docteur. Je pense qu'on nous signale que nous tirons vers la fin de la session. Et nous avons noté en commentaire l'intention du partenaire privé Agroxy à intervenir au Burkina Faso. Je voudrais rassurer que l'ensemble des acteurs ici présents sont disposés à faciliter son arrivée dans le pays pour des investissements agricoles. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il y a en commentaire une question sur l'implication de la maison de l'entreprise de l'agence burkinabé des investissements. Voilà, autour donc de ce projet là. OK, donc docteur Robert Ouedraogo va répondre à cette question. Voilà, je voudrais rassurer dans cette entreprise, l'ABI, l'agence burkinabé d'investissement ainsi que la maison de l'entreprise sont fortement impliqués. D'ailleurs, toutes les concertations concernant la mise en œuvre de ce modèle-là, et ces différentes entités-là sont invitées et à soutenir et à partager leur expérience. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème.
OK. Mesdames et messieurs, nous tirons donc vers la fin de notre session. On tient à s'excuser pour les différentes interruptions liées à la mauvaise qualité de la connexion. Merci à tout le monde pour la participation, pour les échanges, pour l'intérêt donc manifesté autour des différentes initiatives qui ont été présentées. Vous êtes les bienvenus au bout. Maintenant, toutes les conditions sont mises en œuvre pour vous accueillir et faciliter vos investissements dans le secteur agricole. Merci à toutes et à tous. Excellente suite de journée.